Salut les grimpeurs, c'est Fabien de Grimpe à Vue et je suis en direct d'un relais de grande voie. En dessous de moi, le vide. Au-dessus de moi, Jacques qui est en train de finir une longueur, finir la deuxième longueur de cette petite grande voie de trois longueurs en 6A+. Et je suis troisième de cordée, donc j'ai un petit peu de temps. Face à moi, la mer. Je suis dans les calanques de Marseille, c'est très très beau. J'ai un petit peu de temps et j'en profite pour aborder un sujet qui est intéressant, surtout en grande voie, c'est la gestion du matériel sur le baudrier. Alors voilà comment je m'organise, je te montre ça tout de suite. Et je réponds notamment à Agnès qui m'avait posé cette question dans un commentaire sur YouTube. Comment organises-tu ton baudrier pour que le matériel soit facile à prendre et comment ranger intelligemment son machard? D'ailleurs, note au passage, tu peux toi aussi me poser tes questions en commentaire, sous mes vidéos, sous mes articles, sur Facebook, sur Instagram, n'hésite pas. Tu peux aussi m'envoyer un email et je te répondrai dans une prochaine vidéo, dans un prochain article. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les dégaines qui sont rangées par ordre de taille. Les plus grandes derrière et les plus courtes devant. De cette manière, on peut y accéder facilement, on sait toujours où elles sont. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir le doigt courbé, donc le doigt où on va venir clipper la corde, qui est bien en bas. Ensuite, on a le système d'assurage, bien sûr, et tous les mousquetons qui vont permettre de poser un relais, ainsi que le marchard, j'en reparle plus tard. Le sac à pof au milieu, ici, c'est une veste coupe-vent que je vais mettre à main gauche, car comme je suis droitier, je préfère avoir les choses que j'utilise moins souvent à gauche et les choses que j'utilise plus souvent à droite, en l'occurrence les mousquetons. Une sangle de 240 cm qui peut servir à tout. On voit une gourde, ce qui est jaune aussi derrière, ma vache, et à nouveau des dégaines. De la même manière, je vais placer les plus longues derrière et je vais aussi m'assurer que les doigts d'ouverture sont bien du même côté. Sur cette dégaine par exemple, les doigts ne sont pas du même côté. Et pour éviter de me retrouver en galère au moment de clipper alors que je suis en train de tenir une micro-réglette 4 mètres au-dessus de mon coin, je préfère prendre le temps au pied des voies de bien mettre les doigts d'ouverture du même côté. Pas de mauvaise surprise. Et de cette manière, mon baudrier est bien rangé. Je n'ai rien emprunté. Je suis prêt à grimper. Ensuite, si j'ai besoin d'ajouter mes chaussons ou des chaussures, par exemple, je vais les mettre derrière, à droite et à gauche du sac à pof. De cette manière, elles ne vont pas me gêner, ça va tirer, ça va créer du poids, mais vers l'arrière de mon bassin, et ça ne va pas m'empêcher d'accéder à mon matériel. Donc, certes, c'est lourd et encombrant, mais c'est un endroit qui ne me gêne pas. Au pire, ça va me gêner un petit peu pour atteindre mon sac à pof, c'est pas trop grave. Donc, je parlais bien entendu de mes chaussures, hein, parce que les chaussons, je vais en avoir besoin de ma voix. Ok, donc si je veux prendre ma veste avec moi, je ne veux pas la porter. Voilà une méthode, je la roule. C'est pas là-dedans ? Non. Je fais un premier croisé comme ceci. Ouais, tu suis la fixture maintenant. Là, t'as le premier pas. Avec les manches, voilà, ça me donne un espèce de baluchon. Que j'essaie de bien caler comme ça. J'avais sur la tête, j'ai déposé là. Et ça, peut-être dans le sac à boulot. Au-dessus de tout le reste. Je referme. Et si je fais un nœud, là, là, ça bouge plus. Et ça ne me gêne pas pour accéder. Ouais, elle va pas trop droite, quoi. La sortie, à mon avis, elle n'est pas là-haut. Et pour la dernière partie de la question d'Agnès, qui était comment ranger intelligemment son machard, c'est en fait une question à laquelle j'ai déjà répondu dans une vidéo que tu trouveras donc sur ma chaîne Grimpe à Vue, que tu dois connaître, hein, bien évidemment. Et c'est dans cette vidéo, Matos pour la falaise, ma checklist plus deux astuces de grimpeur, que j'y réponds. Voilà, tu trouveras ça aux alentours des 5 minutes et j'explique comment ranger. Donc une sangle, ici cette jolie sangle jaune, et ça marche aussi pour un machard. D'ailleurs, on le voit, il est juste ici. C'est la même méthode. Je te mets le lien de cette vidéo dans la description, sous la vidéo que tu es en train de regarder. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux mettre un pouce comme ça. Ça me fait toujours plaisir. Ça me motive à continuer à en faire. Et tu peux aussi t'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. D'ici là, moi, je vais repartir pour rejoindre Jacques et Sébastien qui sont au-dessus de moi. Finir cette longueur et cette grande voie. Je te souhaite bonne grimpe et rendez-vous dans la prochaine vidéo.